Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, parce que bah, j'ai encore été à Action, enfin encore ça faisait un moment que j'avais pas été. Donc du coup voilà, j'ai trouvé 2-3 bricoles. J'essaye de vous montrer comme ça. Voilà, 2-3 bricoles. Enfin bref, du coup. Donc j'ai trouvé, ça je suis contente, c'est la première fois que j'en vois, donc des fleurs papier. Donc il y a, je vais mettre dans ce sens là, donc rose, saumon et vert d'eau, des roses encore, des roses très claires et des, moi j'appelle ça purple, prune, voilà. Donc ça c'est, bon je vous dis pas les prix comme d'hab, hein. De toute façon je m'en rappelle pas et j'ai pas le ticket sous la main. Donc voilà, donc ça je suis assez contente, c'est vraiment la première fois que j'en trouve. Donc impeccable. J'ai trouvé aussi des petites roses comme ceci, alors en mousse. Donc des blanches et des roses, il y avait des grises mais je ne les ai pas trouvées terrible. Donc voilà, alors ça je sais que c'était 99 centimes, ça je m'en rappelle. Ensuite, pour ma fille, j'ai trouvé un gobelet avec une paille. La Reine des Neiges. Voilà. Parce que je sais qu'elle adore les pailles, elle adore la Reine des Neiges. Donc... Voilà. Hein. Bonjour mon ami. Vous êtes un message. Du coup, pour rester dans la Reine des Neiges, j'ai repris ces chocolats. Alors, la dernière fois, on avait pris ceux-là. Et les espèces de barres comme les Kinder. Et en fait, les espèces de barres, ça pique, le chocolat pique la gorge. Alors que ceux-là, ils sont magnifiques. Mais magnifiques. Donc du coup, ça fait plaisir à la petite, ça me fait plaisir à moi, impeccable. Je me suis pris aussi, ça c'est une petite gourmandise, du nougat aux fruits. Bon, bah là... Elle a été bien attaquée, donc je ne vais pas vous la montrer. Parce que bon, le nougat, aussi, voilà. Enfin, il était très très bon. Donc voilà, pour la bouffe, c'est tout. Je me suis pris ce rouleau, en fait, de... Oups, de strass. Donc voilà, rose. Pour essayer, pour voir ce que ça donne. J'ai un album en cours et du coup, je me suis dit que ça allait pouvoir faire sympa. Je me suis pris aussi une petite toile en rond. Alors je voulais me prendre le cœur mais je l'ai trouvé balèze. Donc je me suis dit on va commencer par ça, on verra plus gros plus tard. Ensuite je me suis repris donc des petites pelotes de coton. Ça c'était un look que j'avais pas encore pris, donc des couleurs un peu plus flashy que ce que j'ai. Donc parce que vraiment il se tricote, enfin il se crochette super bien. Et puis surtout, enfin il y a une, c'est des grosses pelotes je trouve. Enfin on peut faire pas mal de napperons parce que moi j'ai dû faire 5 napperons. 5, oh, peut-être pas 5. Enfin 3 ou 4 napperons et un petit cœur et il me reste encore de quoi faire un napperon. Alors ouais donc si c'est ça. Donc du coup, enfin vraiment, ils sont vraiment bien. Puis pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Je me suis pris une perfo pour comment ? Pour faire des perfo pour faire des trous, mais surtout pour faire les. Oh putain, je vais pas y arriver. Pour les classeurs. Voilà, parce qu'en fait je veux faire mon Project Life et c'est un classeur A4 et en fait vu que je fais mes propres pochettes mais pas forcément en format A4, c'est compréhensible ou pas, je ne sais pas, enfin moi je me comprends. Donc du coup il me fallait une perfo comme ça, donc c'était moins cher que j'ai vu partout ailleurs, donc je me suis dit allez hop zou, c'est parti, on prend ça. Ensuite donc je me suis pris 6 donc 6 rouleaux de double face hein, normal, et encore je me suis restreinte parce qu'en fait je voulais essayer celui-là parce que déjà moi j'aime bien le principe du dérouleur et surtout c'est qu'il est plus fin
Bon, pas de grand-chose parce que là, il est à 8 mm et celui-là, il est à 12 mm. Oh, quand même. Et du coup, en fait, je voulais vraiment essayer. Alors, j'en ai vu sur des vidéos. Donc, à voir si ça colle. Donc, celui-là, il est à 35 centimes. Alors, je vais le mettre comme ça. Celui-là, il est à 35 centimes. Et celui-là, il est à 99 centimes. Il y en a moins. Bon, pas de grand-chose, mais il y en a moins. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai enfin trouvé des breloques. Donc là, il y en a deux pour ma maman. Donc je me suis pris donc ceux-là. J'ai bien aimé le petit cœur, la petite étoile. Donc voilà. Il y a Snoopy aussi. Je me suis pris cela. Alors j'ai craqué, moi c'est sur la fleur de lys et sur les arômes. C'est très belle. Et voilà, c'était les trois modèles qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autres modèles. Voilà. Il y a deux petites fées. Ah, j'adore cette fée. Oh, faudrait d'ailleurs. J'avais une fée, pareil, en pendentif, un peu dans ce genre-là, mais vraiment. Oh, faut que je la retrouve, faudrait que je l'essaye de la caser quelque part. Bon, je raconte ma vie, mais bon. Voilà. Je me suis pris donc ces enveloppes à bulles, juste pour tester, voir comment. Si elles sont aussi bien que celles que je prends. Bon, après, pour 1 €, enfin voilà, c'est pas. Elles sont grandes en plus, donc je me dis pour envoyer à ma mère si je dois lui envoyer des trucs ou quoi. Ça fait joli. Facteur qui va être content. Donc ça. Ensuite, j'ai trouvé les blocs de comment? Aquarelle. Avec la technique du résiste. Donc ça, je suis contente parce que je voulais vraiment essayer. Ça m'intriguait ce truc-là. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup vu sur les vidéos. Ça fait pas longtemps à mon avis qu'ils ont sorti ça. Donc du coup, ouais, ça, je suis contente de les avoir trouvés. Par contre, ils en avaient le paquet de ça. Donc ça. Ensuite, je me suis pris donc ce bloc d'image 3D. C'est surtout qu'en fait, bah, déjà, j'ai vu les étiquettes. Je les ai trouvées très jolies. Mais bon, j'avoue, j'ai pas appris que pour ça. Hein. Donc voilà, c'est que des fleurs en fait. Et vu que j'ai encore ma commode que j'ai fait, vous savez, la petite commode de chez Action que j'ai fait il y a 1 mois, je l'ai toujours pas fini de la décorer. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ensuite, oh là là. Ça a coupé, mon téléphone il me fait n'importe quoi. Oui, donc du coup j'en étais. Donc j'ai pris ces lots de cartes et enveloppes craft. Parce qu'en fait je voudrais prendre les enveloppes pour faire un album et faut que j'essaye. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris deux, ça me fait 16 pochettes, enfin 16 enveloppes. Donc voilà. Ensuite. Je me suis pris, alors par contre là je pense que je vais speeder un peu. Là donc j'ai pris ces blocs de papier là, donc qui sont en fait texturés et irisés. Donc là j'ai pris beige, j'ai pris ce lot là, couleur pastel et couleur plus foncée. Voilà. Je les trouve vraiment très jolis. Voilà, et ensuite j'ai trouvé donc les fameux stickers. Alors j'ai pas tout pris parce qu'il y en a beaucoup qui ne me plaisaient pas en vrai. Donc voilà, ces magnifiques stickers vraiment qui sont super beaux. Je suis très contente. J'y allais surtout pour eux et pour les fleurs en fait. Et du coup, j'ai trouvé encore plus de trucs que je voulais. Et j'ai trouvé aussi, alors ça c'est la première fois que je les vois, donc c'est pour ça en fait que je fais une vidéo. Ce sont en fait des stickers glitter. Et en fait, ce sont des cadres en fait. Donc il n'y a pas l'image à l'intérieur. J'ai cru qu'il y avait l'image, mais non. Et en fait, voilà, c'est. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il y avait plusieurs sortes. Il y avait en doré, en blanc, en gris, en. Alors il y a deux motifs de chaque, il y a deux motifs de chaque par couleur. Donc il y avait celui-ci. Voilà.
en gris toujours celui-ci. Et je me suis pris un blanc. Alors, j'ai cru avoir pris un doré, mais non, en fait, j'ai dû halluciner. Et voilà. C'est celui-là que j'ai vu en premier. Je dis oui, trop beau, il est magnifique. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai craqué, j'en ai pris 3. Et ça, c'était 69 centimes. Je crois que c'est le même prix que les stickers 3D, je crois. Je sais pas. Donc voilà pour mon petit haul que du coup il va durer 10 minutes. Donc de toute façon, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai un album en cours, je voudrais vous en montrer 2. Et puis toujours avec la DT de chez Stamp Follies. Et donc on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis bonne soirée, à bientôt. Salut !